Bonjour et bienvenue sur Vidéo Formation. Dans ce tutoriel sur l'utilisation de la corbeille, je vais vous montrer comment ne pas déplacer directement un fichier dans la corbeille, mais le supprimer directement et donc n'avoir pas à le faire manuellement en faisant le traditionnel clic droit vider la corbeille. Pour ce faire, vous devez aller dans la corbeille par le biais d'un clic droit de la souris, puis cliquer avec le bouton gauche sur Propriétés. Dans l'onglet Général, si cette case n'est pas cochée, cochez-la. Vous voyez, elle est intitulée Ne pas déplacer les fichiers vers la corbeille. Supprimer les fichiers directement lorsqu'ils sont effacés. Donc, pour que cette fonctionnalité soit activée, cochez-la et les fichiers seront donc supprimés directement lorsqu'ils seront effacés. Pour appliquer le changement, appuyez sur Appliquer, puis OK. La formation est terminé, c'est à vous.